Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un type de vidéo que je ne vous ai jamais fait sur la chaîne puisque je vais vous parler de critiques sans spoiler, mais Marvel, donc c'est la première fois que je le fais. Je vous en parle surtout parce qu'en fait Ant-Man est mon Marvel préféré avec les tout premiers Spider-Man, donc la première trilogie. J'ai eu la chance d'être invitée par Disney à découvrir le film, donc je me suis dit que vous aimeriez peut-être avoir mon avis sur le sujet, savoir s'il est à la hauteur du premier ou pas du tout, et est-ce qu'une personne qui aime certains Marvel mais pas tous peut penser de ce genre de film. Donc pour vous parler un petit peu de Ant-Man et la guêpe, ce second volet est dans la continuité du premier puisque on retrouve Scott, Hop et Hank qui sont donc du coup les trois personnages principaux. Scott est enfermé chez lui puisqu'il est emprisonné, tandis que Hop et Hank sont en train de travailler sur une machine qui leur permettra de faire revenir sa femme et mère, donc la guêpe, de l'espèce d'univers tridimensionnel dans lequel elle est, je me souviens plus du nom. Si vous vous remémorez un petit peu le 1, vous vous souvenez forcément qu'à un moment, Scott se retrouve bloqué dans une dimension parallèle à cause de sa petite taille et qu'il réussit à en sortir, et en fait c'est ce qui a permis à Hank et à Hope d'avoir le déclic de se dire que peut-être que leur mère slash femme pourrait sortir de là. Le truc qui est un petit peu particulier, c'est qu'en fait entre le 1 et le 2, il faut prendre en compte tout ce qui s'est passé dans le Marvel Universe, puisque moi juste avant de découvrir le film, je m'étais refait le premier pour vraiment me remémorer en tête, et en fait quand j'ai commencé à regarder le 2, j'ai pas compris ce qui se passait parce que à la fin du 1, Hope, Hank et Scott s'entendent extrêmement bien, il n'y a pas de problème entre eux et il est pas du tout emprisonné, donc je me suis demandé ce qui se passait. Il m'a quand même fallu un petit peu de temps pour comprendre puisque j'ai jamais vu Avengers ou Captain America par exemple, et en fait les événements qu'on peut voir sont la conséquence de ceci. Et ça me fait penser à ce que disait une membre de la Pixie Army de façon très juste, c'est que Marvel c'est un peu comme une série, qu'il vaut mieux avoir vu tous les épisodes pour bien tout comprendre. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu là. L'avantage c'est qu'il y a vraiment plein de références qui sont faites tout au long de l'histoire, des flashbacks etc. qui vous permettent de comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là dans Ant-Man et la guêpe, et heureusement, parce que sinon j'aurais été complètement perdue et je pense que ça m'aurait vraiment dérangé au niveau de l'histoire. Là c'est compréhensible, le problème c'est que du coup il y a certaines private jokes, certains moments qui font référence à ce qui s'est passé que je ne peux pas forcément comprendre. Donc je ne vous en dis pas plus sur l'histoire parce que je veux quand même vous laisser la surprise, mais sachez que l'histoire reste quand même assez classique. Malgré tout, l'humour est extrêmement présent et encore plus présent que dans le premier. J'ai cru entendre des personnes dire que c'était un petit peu lourd. C'est vrai que l'humour est un peu facile, mais pour moi il fonctionne à merveille et je trouve que ça correspond bien à l'ambiance. Ce que j'ai le plus apprécié surtout, c'est le fait que autant dans le premier c'était pas trop le cas, autant là beaucoup plus. Je trouve qu'on utilise vraiment toutes les possibilités du costume et du pouvoir de Ant-Man, donc tout ce qui est lié à la miniaturisation, à différentes situations etc. Je trouve qu'on s'en amuse beaucoup, que ça donne vraiment lieu à de nombreuses péripéties. Je suis vraiment contente que ça ait été mis en place parce que c'était pas forcément le cas dans le premier film, et surtout Hope a cette fois-ci elle aussi un costume et elle est ultra badass comme ça. Autre petit point que je pourrais reprocher, c'est l'un des antagonistes que l'on peut retrouver dans l'histoire, donc il y en a plusieurs. Il y a le personnage d'Ava qui est un espèce de fantôme que j'adore, je la trouve vraiment très bien développée et je la trouve vraiment très très intéressante à suivre etc. Moi j'aime quand les méchants sont vraiment développés et là c'est le cas. Le deuxième, Sony, il est insupportable. Je pense qu'on n'aurait pas perdu grand chose à le supprimer du film, clairement. Côté image, les scènes d'action sont vraiment très nombreuses, elles sont ouf, les effets spéciaux les gars, on sent que l'équipe s'est donnée à cœur joie d'ailleurs. Sur les crédits on peut voir une ligne d'effets spéciaux longs comme le bras, vraiment. Je trouve que le jeu d'acteur est encore une fois très très bon, en particulier Michael Douglas qui m'a épatée, et je trouve qu'il forme un très beau duo avec Michelle Pfeiffer, je ne sais pas le dire, mais voilà, je pense que vous aurez compris, donc le nouveau protagoniste, et je trouve qu'ils ont une très belle dynamique ensemble. Au final, il y a quand même quelques petits éléments de fond que je ne trouve pas top, je pense notamment à cet antagoniste de trop, au fait qu'on peut être un peu perdu dans l'histoire. C'est un Marvel qui est sans prétention, mais qui honnêtement, à mes yeux, assez réussi. C'est ce que j'aime dans un Marvel, qui soit pas trop prise de tête, qui ait beaucoup d'humour, que les personnages soient assez développés, donc là j'ai été plutôt satisfaite, et pour moi ça reste vraiment dans la lignée du premier Ant-Man. Si vous avez aimé le premier Ant-Man son univers, je pense que vous aimeriez celui-ci, donc je ne peux que vous le recommander. C'est vraiment un film feel good, très sympa à regarder cet été, et franchement j'aime beaucoup. Mais après c'est pas une fan de Marvel de ouf qui vous parle, c'est juste une fan de l'univers de Ant-Man. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de rester vraiment à la fin. Les fans de Marvel le savent, mais il faut vraiment rester pour les scènes post-génériques. Cette fois-ci il y en a deux, la deuxième est plus anecdotique mais la première est vraiment nécessaire, donc vraiment restez jusqu'au bout et vous m'en direz des nouvelles. Voilà ma Pixie Army, j'espère que cette vidéo
vidéo vous aura plu, cette vidéo critique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez mon avis sur plus de Marvel et pourquoi pas Star Wars un jour quand je m'y mettrai. Si vous avez vu le film ou que vous avez aimé le premier Ant-Man, n'hésitez pas à me le dire. Dites-moi aussi dans les commentaires quel est votre Marvel préféré. Je verrai, peut-être que celui qui a le plus de commentaires, je le regarderai. Si je ne l'ai pas vu, ça pourrait être sympa. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir, à partager la vidéo, à commenter et surtout à vous abonner. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime. Bisous, bisous, bisous.